Est-ce que je suis vraiment la personne que je veux être? Ou est-ce que je suis le fruit du conditionnement de mon passé? Bonjour, ici Max. Aujourd'hui, je forme une cinquantaine de coachs à devenir des coachs d'excellence. Et une chose que j'aborde dans cette formation, qui est tellement importante pour eux de comprendre et d'apprendre à maîtriser quand ils accompagnent les gens, peut-être que ça va résonner avec vous, c'est le fait que la plupart de gens ne sont pas vraiment eux-mêmes. Depuis votre enfance, vous avez reçu des informations qui se passent dans votre quotidien. Et en général, vous avez adopté des comportements, des idées, des pensées, des choses qui ne vous appartiennent pas. On a forcé depuis tout petit, que ce soit à l'école, par les parents qui ont toujours au passé, ils ont tous fait de leur mieux, mais ils ont imposé certains comportements, certains schémas, certaines manières de penser, certaines attitudes qui vous ont permis de survivre à ce moment-là, d'obtenir de bonnes notes, d'obtenir l'amour ou l'attention de vos parents. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure, vous avez développé un schéma qui s'est répété, qui, à l'âge adulte, vous empêche de rayonner, vous empêche de devenir la pleine et la meilleure version de vous-même, qui vous empêche de gagner de l'argent que vous voulez, qui vous empêche d'attirer la relation que vous voulez, ou de créer plus de bonheur dans votre vie. Quel est ce schéma? En fait, il y en a plein. Et c'est ce qu'on fait par exemple avec ces coachs, c'est qu'on apprend à identifier ces schémas et à faire voler en éclats ces croyances, ces blocages, ces limites, ces schémas limitants. Donc, un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir, c'est vraiment regarder en face les choses et dire, ok, est-ce que je suis vraiment la personne que je veux être? Ou est-ce que je suis le fruit du conditionnement de mon passé? Si vous étiez né au Tibet, est-ce que vous auriez la religion que vous avez? Est-ce que vous penseriez de la même manière? Est-ce que vous mangeriez de la même manière que vous mangez maintenant? Ou est-ce qu'il y a de fortes chances que vous soyez végétarien? Que vous méditiez tous les jours? Que vous soyez peut-être en train de penser autrement? Il y a de fortes chances que oui, pas vrai? Il y a de fortes chances que vous marcheriez même différemment, que vous comporteriez différemment. C'est pour ça que c'est mieux, c'est juste différent. Nous sommes souvent le fruit du conditionnement des autres, de notre environnement. Mais souvent, quand on est enfant, on ne comprend pas vraiment, on ne choisit pas, on nous impose des choses arrivent, donc on essaie de réagir aux choses. Au fur et à mesure, des schémas s'installent, et là, on est en conflit avec soi-même. On a perdu confiance en soi, et puis d'un coup, on veut faire des choses, mais on n'arrive pas, et on n'ose pas lancer son business, ou si on lance son business, c'est bien, mais on a du mal à garder un équilibre avec sa famille. On n'est pas vraiment la personne qu'on veut. Un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir, c'est vraiment avoir ces rendez-vous avec vous-même, prendre du recul, mieux vous comprendre, identifier ces blocages, ces schémas du passé, ces comportements, ces attitudes qui sont sûrement pas vous-même, c'est sûrement pas vous qui avez choisi. Vous l'avez fait par imposition, par réflexe. Et maintenant, vous croyez que c'est vous, vous croyez que c'est une partie de vous-même, mais en fait, c'est pas vous. Vous pouvez vous en débarrasser. Vous avez la possibilité de créer la vie que vous voulez. Vous avez la possibilité de créer une vie de rêve. Vous avez la possibilité de créer et de câbler votre cerveau comme vous le voulez. Vous êtes né pour devenir la meilleure version de vous-même. Je crois fermement qu'on est né pour vivre une vie extraordinaire, pas pour vivre limitée. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager autour de vous. Aussi, si vous voulez aller plus loin pour développer votre plein potentiel, je vous invite à aller voir cette playlist que j'ai préparée pour vous qui vous permettra d'avancer encore plus, de progresser et d'atteindre des plus hauts sommets dans votre vie et vos affaires. C'était Max, abonnez-vous maintenant et allez voir la playlist. Bye bye.